Autant de conneries, Ragnar. Alors, je veux pas faire mon chieur, hein. Mais c'était pas Duncan Vulcain. Je suis en train de me dire qu'il y en avait un primarque qui était avec nous. Je vais... moi je l'ai sur le dieu romain, chacun sa race. Il était encore au Fates of the Rift. Ça. Ouais, non. Mais bon, au seul moment où je peux faire un truc héroïque pour que Ragna soit fier de moi et un peu rembourser ma dette, je me fais salement renvoyer à l'extérieur. Tu m'as déçu, Arke, comme tout le temps. Tu peux pas le savoir, t'es pas là. C'est derrière la nuque. Je te suis là comme mon esprit, mais tu m'as déçu. Bah, en fait, on s'est arrêté au fait que je cherchais un moyen de revenir, et tu m'avais vraiment fait comprendre que je pouvais vraiment pas. L'univers a dit que non. Du coup. J'ai de perception et t'avais fait genre 2 ou un truc comme ça aussi. Ouais, il fait tout noir, c'est tout ce que j'ai vu. C'est littéralement le mec, j'ai la vision dans le noir. Ouais, mais t'as oublié d'ouvrir les yeux, connard. Ah, déjà, j'ai plus qu'un œil, je suis désolé. Et le bouton, il était du côté où j'avais plus d'œil. C'est pas de ma faute aussi. plus sérieusement, du coup, effectivement, comme je vois que j'ai vraiment aucun moyen de passer, je tape mon plus gros sprint à l'extérieur. Enfin, je refais tout le chemin en sens inverse pour essayer de passer par le chemin normal, on va dire. Oui, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Mais qui est capable de se repérer dans une forêt de 10 hectares de long, tu vois, mais un couloir en pierre tout droit, sans autre accès, il arrive à se paumer. Alors, quand je cours et que je vois le groupe au loin, je suis. Bah déjà, je pense que je dois avoir une mine un peu vraiment déconfite. Et je dis à Ragna, je suis désolé, j'ai rien pu faire. Il m'a pas laissé le choix. Je donne pas plus d'infos.
Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé Duncan? Qu'est-ce que t'as pas pu faire? Arke, parle-moi! Je crois qu'il a voulu se sacrifier. Et il m'a empêché de tomber avec lui. Il m'a sauvé la vie. Mais pourquoi il s'est sacrifié? Il a tué les ennemis dans la salle? Vous êtes fait attaquer par toute une armée aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah du coup je lui raconte ce que j'ai vu et tout, donc le boss et tout, voilà. Je pense qu'il faut préparer une stratégie. que j'ai complètement oublié, oui. Bah, je le sors et je le donne à Raida. D'accord. Sans qu'impératrice le porter comme ça. Alors, attends. Je vais enlever la sangle du bras en bois qu'on m'avait filé. Et je vais essayer de positionner le cercle exactement comme elle l'avait positionné. Et ben j'imagine que ça s'adaptait plutôt bien. Et ben je suis de nouveau entièrement opérationnel, on va dire. Ouais, à partir du moment où c'est une armure, elle s'en est à sa prête. En fait, le mec, il arrive à être les deux personnages, enfin les deux frères de Full Metal Alchemist en un seul perso, quoi. Un peu. Attends, fais voir ta jambe. Alors, c'était ma jambe qui s'est faible. Ah oui, c'est vrai, on a déjà fait ça. Enfin, je... C'est sympa de pouvoir de nouveau bouffer des doigts. et Dieu ainsi parla. Pec lui la rotule à ce fumier. Je me sens comme tiraillé entre deux voix internes. Je vais méditer. Du coup, en termes de timeline, on est quoi? On est à peu près à une demi-heure. Il me semble que c'est ce qu'il y avait comme trajet en Bastage Sacré. Donc, je leur dis que c'était il y a une demi-heure et qu'il y a peu de chances qu'ils soient encore en vie. Ou il est très près de la mort, si c'est le cas.
Moi, je leur dis clairement qu'on peut pas y aller sans stratégie. Donc, je leur expose tous les faits, là où il est, le nombre de personnes, tout ce que j'ai vu. Et surtout que je pense que vu comment on a peu de PV, je pense qu'il faut qu'on se soigne. Ouais, on était parti sur... Qu'il est là. Avec ce chewing-gum, ce crayon à papier et cette pierre sur le bord d'un hook, je crée une AK-47. Par contre, on va peut-être quand même discuter stratégie, mais en marchant quand même vers la salle. À la base, on peut partir sur un repos court d'Edvie et tout ce qui s'ensuit. C'est deux oeufs. Ah, non, bon. En fait, donc, en gros, donc, je leur dis clairement, si on se repose tout de suite, on sacrifie Duncan, clairement. Alors que si on se dépêche, on peut encore espérer peut-être le voir en vie et peut-être le sauver. Honnêtement, vu ce que tu m'as raconté sur mon corps, en gros, on va être honnête, rien que la demi-heure de retour. Je pense qu'il est déjà mort. On va être honnête. Ouais, et puis honnêtement, mais t'en es pas sûr. J'en suis pas sûr, mais connaissant Duncan, c'est quand même ton mentor. Là, tu veux même pas essayer de le sauver. Comme tu as sauvé ma sœur. Ça, c'est du hors RP, c'est. Oui, c'est hors RP, parce que là, t'es pas censé connaître Conan, là. Connaissant Duncan. Salut, gardien. Comment il m'a formé. Pour une fois, je vais écouter ses conseils et ne pas être un jackass et y aller à tête fond baissée. Si il a fait ça, c'est pour nous faire gagner du temps. Justement, pour qu'on ait le plus de chances possible. Donc, vaut mieux avoir plus de chances de notre côté, se rassembler et get our shit together, comme on dit. Oh putain, y'a MacGyver en fond. Ah mais j'ai annoncé les gars. Coucou Sancho. Ouais, Duncan a fait ça pour nous faire gagner du temps. Honnêtement, pendant la demi-heure, il est peut-être déjà mort. Je préfère respecter son sacrifice et essayer d'avoir le plus de chances de notre côté. Bon, bah, maintenant que c'est fait, c'est fait. On va pas. Ah. Tout s'explique. Ouais, haletant, en sueur et fatigué. Et Chloé entend des voix lui disant de briser les genoux de ses amis, mais de ne pas les briser maintenant non plus. Ok. Bref, c'est la merde. Bon, du coup... Beau résumé, bien. Du coup, attends, parce que là, Ragna a quand même donné son avis. Est-ce que tout le groupe suit l'avis de Ragna? Non. Moi, je suis d'avis qu'on est tous à moitié en train de pisser le sang. Donc un petit repos pour soigner, bon, on dit pas non. En sachant que je propose un vote, en sachant que Ragna a quand même un vote double vu que c'est son mentor.
La question, c'est est-ce qu'on peut genre le stabiliser, etc., nous-mêmes, de quelque chose ou quoi que ce soit aussi. Le mentor. Ouais. Le mentor, il y a une demi-heure de marche en train de se faire éclater le cul, donc basiquement, c'est est-ce qu'on y va maintenant ou est-ce qu'on continue à faire des morts. On sait même pas s'il est encore vivant. Genre, je suis désolé, vu le bousin qu'il y avait en face, une demi-heure, c'est suffisant pour. Clairement, je suis même pas sûr qu'il ait duré 5 minutes. Hein. Genre, là, c'est quand même. Au long, il nous reste de quoi le soigner si jamais on débarque. Oui, mais en fait, là, le truc, c'est que il y a une demi-heure de Arkhesis qui est revenu, il y a une demi-heure de nous où on va y aller. Ouais, mais ça veut dire Duncan, aussi... Faut que Duncan soit resté une heure en combat contre le monstre qui, démoniaque, ouais. Avec avec le mon corps plus la tête de mon père plus toute la magie noire possible. Mais t'as oublié un truc aussi. C'est que s'il est déjà mort, le méchant va aussi pouvoir se reposer et... la fatigue, si jamais il a réussi à lui fatiguer, ça s'en valera. On vient de sortir d'un combat de fou. Ah non, mais moi je dis pas qu'il faut y aller. Mais moi je suis d'avis de se reposer. J'expose juste tous les éléments. Ouais, mais je pense honnêtement qu'on aura plus de chance si on se repose et que c'est honnêtement aussi but qu'avait Duncan en faisant ça, c'est qu'on ait le temps, en fait. Et si on n'utilise pas le temps qu'il nous donne. C'est con, mais on insulte son sacrifice. Bon, du coup, Ragnar vient de voter et il est pour le repos long. Vous autres, vous votez quoi? Oui, repos long. Repos court déjà. Les mecs, repos long, ils sont un frichti dans la grotte. Du coup, on sort les merguez, on fait un petit barbecue, se repose. Moi, honnêtement, enfin. Si on se déplace, hein, je vais venir, mais la vraie question c'est est-ce qu'on se met pas plus en danger en y allant qu'en essayant de, je sais pas, prévenir ailleurs pour éviter que cette abomination fasse plus de dégâts ailleurs. Et ça. Alors, se trouve... Est-ce qu'on court pas à notre perte, quoi. Parce que... Ah, on va y aller, on va la... Ah, mais on y va, on n'a pas le choix, on y va, on lui prend la mâchoire parce qu'on... Voilà. Le truc, c'est... En sachant aussi que ouais. Si on se repose, bah, on prend le risque aussi qu'il ne soit plus là. Mais mec, t'as mis une demi-heure pour venir, on va mettre une demi-heure dans le meilleur des cas pour y retourner. Mais j'ai pris un passage secret, c'est pas impossible qu'il prenne un autre chemin. Oui, non mais même... Déjà, ça fait une heure de battement. Il a eu le temps de tuer Sir Duncan 14 fois, de faire de son corps une marionnette. Bon, on va y aller, on va lui courir après. S'il est toujours sur place, on le bute, ou on meurt en essayant. S'il est parti, on le poursuivra. Mais là, je sais pas si tu as remarqué, mais nous, on pisse un peu le sang. Faut qu'on prenne 30 secondes pour souffler. Bon, je pense que tout le monde est plus ou moins de l'avis général de se reposer, donc je pense qu'on va faire ça. Parce que j'ai failli mourir il y a à peu près 2 minutes 30. Juste avant que tu arrives, j'étais à l'agonie, mec. Bon. Personne s'oppose, on se repose. Bon, ça me va. Oui. Ouais. On peut tout utiliser. Ah, attends, je check pour toi, Vira. Je check pour toi, Vira. Merci. On les regagne plus tard, on est d'accord. À chaque repos long, si je dis pas de bêtises. Bah, je vais en lancer 10 alors.
Non, mais j'ai que un en consti. J'ai que un en consti, donc comme j'en ai cité, je me dis, t'inquiète. Du coup, vu que j'ai plus 1, je rajoute plus 10 à manger, c'est ça? Vu que je lance d'idées. 16. Jeter entre 1 et 10 dés. Regagne 51 PV. Bah! Bon bah du coup moi ouais, je suis pas encramé. Je peux encramé 8. Ah c'est vrai mais putain oui c'est vrai que j'ai pas j'ai... On est pas censé en avoir 11 d'ailleurs. Ah. Pourquoi on est niveau 11? Ah, on est niveau 11 depuis le boss. Ah putain, ah j'ai oublié. Eh ben j'ai pas fait mes... Tu m'autorises à lancer 2 de plus ? Hey ! Presque full life ! À un PV près ! Mis à jour ma fiche... Tac tac tac... Ah, je suis plus que full life moi. Attends, c'est un hit dice par... Je vous écoute, je suis encore dans un sac. Oui, par niveau et... Ouais mais... Ah oui, plus la poursuite en plus, d'accord, oui, bah, je suis largement fou, en fait. Je me rachète combien, moi 85. Vous m'en parlez bien, mais... Mais car quoi Eh, t'aurais pu sortir de son slip. Niveau 11, j'ai 6 PV en plus. Non, 7. Du coup, je suis full. Alors, vous voyez que mon armure ne couvre... Alors là-bas, c'était une chemise de maille qui ne couvrait que le haut, que le torse. Maintenant, elle couvre l'entièreté de mon corps. Et quand elle se déploie, vous voyez qu'elle se déploie comme une fine pluie de billes métalliques qui me recouvre. De la tête aux pieds. Je suis littéralement Iron Man. D'accord. Attends. J'avais pas noté que on fera la vote. Ouais, c'est pour ça que j'avais pas noté ça aussi. C'est pour ça, c'est pour ça. Hop. Voilà. C'est pour ça. Je suis à 6 de vie. Ouais, du coup, je vais encore plus. C'est à 60. Ah j'aime bien ma nouvelle capacité. Ah mais oui c'est vrai, je me souviens. Ouais, quand on se rappelle pas. Mais c'est ça le problème de fermer la table trop vite. Les gens n'ont pas le temps de faire la montée de level quand tu le dis. Voilà. C'est la faute du. Pas grave. Allez. Tu peux pas. Scénaristiquement, tu peux pas. T'es baisé. Ah ouais? Non putain, je savais pas. D'ailleurs, t'as déjà perdu 3 niveaux. Moi, c'est bon, je sais pas pour vous. Ah putain. Attends, proficiency, je gagne un proficiency, mais faut. C'est quoi? C'est dans les. Ouais, mais non, attends, c'est proficiency dans une maîtrise. Des caractéristiques, c'est ça C'est parce que c'est marrant, tu gagnes proficiency dans l'un des skills disponibles du barbare. Ah, d'accord, c'est la petite boule noire. Ok, nickel. Et ça. Hop, on va mettre nature, allez.
Oui, j'ai pris au pif. Hey, je me suis marqué un peu. Oh, ben, okay. Non, je me suis trompé sur le D2. Okay, hop. Là, il faut qu'on se rende vers où? Mais je vous l'ai dit. Je marche. Je me dirige vers la salle. Ça sert à rien de repasser par le passage secret vu que machin, donc on repasse par le chemin officiel en fait. Après, moi j'ai dit à Ragna où c'était, il connaît mieux le truc que moi pour... Le passage secret, c'est la première fois que je le vois, frérot. Non, le passage secret, on peut pas y accéder de toute façon, donc... Ah oui, on passe par la grande porte, quoi, d'accord. Ouais, on passe par la grande porte, là, y a pas le choix. Eh ben, les deux, on va faire ça, hein. Donc on va passer. Voilà. Ou en tout cas, s'il y a un autre passage secret, moi je suis pas au courant. Y'a Goethe qui peut savoir, Ragna. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il le sait? Tiens, là. Sur le live dur, c'est pas grave. Est-ce que la capture VOD a au moins pris ta voix, quoi? Je pense, je suis même pas sûr, on verra bien. Donc rapide tour d'horizon. Merci Zitoire de me l'avoir dit parce que j'étais même pas au courant. Donc j'ai dit est-ce bonjour que nous, à tout le monde. Je pense que vous on vous entend, mais que moi on m'entendait pas. Allez, parle pour voir. Ah oui, en effet, ce serait dommage quand même. Donc ça fait un moment que je parlais dans le vide. Donc pour le coup, petit rapide tour d'horizon. Ils ont fait un repos long, ils ont fait un repos court, ils se sont soignés. T'entendais ni les gens du Discord? Attendez, on va vérifier. Après, c'est peut-être lui qui avait désactivé le son. Plot twist, c'est juste Zitoire qui avait appuyé sur mute. Non. Les mecs du Discord, on vous entendait, mais pas assez. Donc, repos court qui a été fait. Ragna, bah de toute façon, les gens vont comprendre avec les. Vont comprendre avec le. Ce que les gens du Discord ont dit. Normalement, ça devrait être bon. Donc, quand vous arrivez dans la salle, donc vous voyez des corps de partout. Vous voyez des corps de partout. Des servantes éventrées, des statues profanées, des symboles démoniaques faits au sol avec des viscères, des gardes qui ont essayé de défendre, qui ont essayé de se défendre du mieux qu'ils pouvaient, mais vous remarquez que la plupart des blessures des gardes ont été faites dans le dos et non pas de face. Une statue a été profanée plus que les autres, c'était celle de ton père. Et j'aime pas sa nouvelle déco à l'autre. Donc la porte de la salle du trône est devant vous. C'était le rire de qui, ça? Je dirais pas, je dénoncerai pas. Je sais qui c'est, mais je ne dirai pas. La porte de la salle du trône est devant vous, que faites-vous?
On y va. On inspecte pas s'il y a au moins un survivant quand même. Est-ce que c'est pas s'il y a au moins une saloperie quand même. Est-ce que la notion de démembrer t'a échappé ou C'est pas parce que t'as perdu deux jambes et deux bras que t'es mort. Regarde-toi. T'as même perdu ton corps. Tu deviens une Madeleine après. Oh, en plus j'ai des madeleines juste à côté. Alors Ragnar, il a rien à foutre de son peuple, de son mentor, de ses parents. Il veut juste. Non, juste on décrit un bain de sang avec des gens démembrés. Bon. Ouais, ah, des gens démembrés dans le dos, qui plus est. Donc bon, moi je serais d'avis quand même de checker qu'il n'y a plus de saloperie dans la pièce. Pour ah, je fais. Il y a quelqu'un de vivant. Moi je crie, il y a quelqu'un de vivant. Ben heureusement qu'on n'essayait pas d'être discret. Aucune réponse, hein. Genre de détection magique ou quelque chose comme ça. Non. Attends. Parce que. J'ai que des sorts pour être discret. Discret. Mon perso l'est pas. T'as pas oublié un S dans ta fan. On peut bien lancer un silence sur la zone si vous voulez, mais ça va pas servir à grand chose. On pourra vraiment dire que la pièce fait un silence de bord. Non, par contre, sur les blessures que les gardes ont dans le dos, est-ce qu'on peut identifier quelque chose? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a vu dehors? Est-ce que ça vous reconnaissez typiquement les blessures que faisait l'épée de Ragna avant? D'accord. Pas oui, donc en plus d'être démembrés, ils sont bouffés par l'acide, quoi. C'est ça. Des survivants, tu disais? En avant. Ah, de toute façon, personne n'a répondu, alors... En avant. On ignore. Alors. Hop. Eh. Alors, si littéralement passé à côté d'une quête. Si je dis non, pas de bêtises, le bâton permet au niveau 2 de détecter, de lancer le sort détection de l'invisibilité. C'est possible, niveau 2, oui. Alors, quand vous arrivez dans la salle du trône, quand vous arrivez donc dans la salle du trône en formation, hein, je vous groupe, mais je vous laisserai faire votre formation. Vous voyez donc sur le trône les mains clouées au trône et enfin la main clouée au trône et dans un état comateux, en tout cas c'est ce que vous pouvez deviner vu qu'elle a les yeux fermés, qu'elle ne bouge plus, la mère de Ragna. Je suis maintenant vous oh, ça va, j'ai pas raté ma quête, elle est encore en vie. Et derrière elle, au-dessus du trône, Duncan cloué comme sur la croix. Définitivement, je sais pas. Est-ce qu'on le voit un minimum bouger ou même pas? Ah, les deux ont les yeux fermés. Parce que t'as dit qu'on voyait qu'elle était comateuse, donc on voit qu'elle n'est pas, elle pas morte. Quand je dis un état comateux, à cette distance, vous n'êtes pas très capable de le deviner. Enfin, pour moi, c'est plus de vous imaginer. Pour vous, de facto, vous la voyez les yeux fermés, une main clouée, les pieds aussi cloués à la chaise, hein, voilà, longue vie à la reine. Hein. Est-ce que je peux au moins faire un test de perception pour voir s'ils sont tous les deux vivants? Tu peux, vas-y. Bon, il y a le saviez-vous, fun fact, quand vous faites crucifier, la cause de décès est en fait l'asphyxie. Là. Oui, je le savais. Oui, tout à fait. Alors tu vois que les deux, avec tes yeux d'elfe qui voient pas grand chose d'habitude, enfin ton œil d'elfe, pardon, tu vois que les deux respirent encore très lentement, enfin ils sont à deux doigts de passer l'arme à gauche. Bah du coup je le dis au groupe, ils sont encore vivants mais plus pour longtemps. T'inquiète pas, ça va aller vite. Et je commence à dégainer en préparation du combat. Ok. Ah, tu dégaines comme un homme, moi j'étais déjà prêt à me battre. Il fait plus. Vous voyez rien d'autre dans la salle. Trop facile de passer la porte avec l'arme dégainée. On voit rien d'autre pour l'instant.
C'est ça qu'il est en train de dire. D'ailleurs, vous voyez bien la zone qui est chargée ou vous voyez un écran blanc? Non, non, on voit bien la zone. Bien la zone. Et tiens. Dans le vieux carré noir, c'est... Oui, le vieux carré noir, c'est l'ordre de musique. Bon. Et ben, bah, on va avancer tout doucement. En formation. Formation de la tortue. C'est ça. D'un point de vue animalier? Putain. Tout à fait. Formation de la loutre. Et il nous a rien dit quand on est rentré, parce que je pense qu'il nous voit quand même depuis tout à l'heure. Ou c'est un silence de mort des deux côtés parce qu'on lui a rien dit non plus en fait. Silence de mort, enfin vous voyez que les deux quoi. Gueuler. Ah on voit, ah, d'accord, il est... ok. Il... Je peux lancer un autre test de perception pour voir... C'est ce que j'avais demandé. Si c'est pas là, parce que moi je sais qu'il était dans cette pièce. Oui. Vous pouvez, hein. Non, ça. On peut tous le faire ou... Oui, oui, bien sûr. Perception, j'ai déjà oublié. Perception, là, 5. Oh, perception. Bon. Et sur. Oh, je suis plutôt bon aujourd'hui. Insight, c'est ça? J'en étais sûr. Arcésis, je ne vois absolument rien. Non, par contre, si c'était investigation, j'avais même encore plus en. Non, non, t'as juste le temps de sentir un souffle chaud sur ta nuque avant que le combat s'engage. Sans le chaud, en fait, il a fait un AVC et il s'est même pas rendu compte qu'il y avait Duncan à clou au mur. Est-ce que... Non, justement, je suis pris d'horreur en voyant Duncan accroché au mur. Est-ce que j'ai le temps de réagir ou même pas? Ah non, vous êtes tous surpris. Parce qu'en fait, pour Ragna qui l'a vu, il le voit popper derrière toi parce qu'il sort du sort d'invisibilité. Ah putain. Il a de l'invisibilité, ce fumier. Ah, puis j'ai rien pour m'échapper avant qu'il me tape. Ah bah, vous êtes... Il n'y a que Ragna qui n'est pas surpris. Du fait de ses niveaux de barbare. Attends, même avec 18, j'ai pas réussi à le voir. Non, je crois que c'est après les niveaux de barbare quand ça t'enlève le surprise, motherfucker. Oui, ça c'est un changement de BG3, c'est pas... C'est niveau 7. C'est niveau 7, d'accord. Ouais, le vrai D&D c'est niveau 7. Donc, vous êtes surpris, donc là il a un tour gratuit. Qui va se faire, mais couper en deux le... Je suis juste en train de retrouver... je suis juste en train de retrouver les l'arme que j'avais donné à Ragna, hein. Vu qu'il joue avant moi, je perds tout. Asté, en fait, il est en train de chercher les stats de l'arme pour encarquer, et en train de chercher les stats de son reroll. Bon bah, heureusement qu'on a fait un petit repos, parce que... C'est ça. En plus, oui, en plus, c'est grâce à ça. Donc en plus, tu vas te faire... Oh. Non, non, mais commence pas comme ça, Ragna. Je sais que je... Bah, il va se faire charmer, s'il survit. Oui, c'est ça. Puis il va prendre double dégâts des émanations. J'ai un avantage contre le charme, hein. Faut pas oublier. Oui, et puis une petite idée charme électrique, ça va le réveiller, vous inquiétez pas. Hey, je suis désolé, pour l'avoir déjà survécu... Enfin, pour y avoir déjà vécu... Je pense que j'aurais une petite résistance. C'est comme le poison. Quand tu commences à prendre du poison, t'es beaucoup plus résistant. Non, ça marche pas comme ça, MJ. Tu devrais être vachement résistant aux dégâts de ta gueule. Tu prends 22 points de dommage, Arcadis. Ok. Ça va. C'était la première attaque. Deuxième. Sauf que c'est 22 plus... J'ai pas fini. Plus 22. Ouais. Attends, t'as fait un 18. Je suis pas mort. T'as fait un 18 et un 22 et les deux font 22. Bah, il a un bonus de force qui s'active quand même dans l'arme. Et en fait, au moment où il tape, Sancho reconnaît très bien ce qui se passe. Un éclair noir tombe sur Arcésis. Et comment dire? Au moment en fait... C'est un châtiment. Bah oui. Donc là, il y a du mal.
faut savoir, fun fact, je retombe quasiment au nombre de PV que j'avais avant le repos. Ah bah t'as vraiment bien fait de te reposer. Allez, on va faire le tirage de... On va faire le tirage de... D'initiative. D'initiative. Arthur se fait un avantage hard reset façon Drakeïde. J'ai un avantage sur les initiatives. Le support orange, il ne dit pas « Avez-vous pensé à rideau de votre box ?» C'est « Avez-vous pensé à emboucher un elfe ?» Oh, j'ai un rideau. Bah c'est Arkesis qui joue, vous avez de la chance, il joue en dernier, le boss. Ah, vous avez tiré le... Ah, j'ai cliqué sur Blend Fun, pardon. J'ai pas fait exprès. Ouais. Normalement, c'est bon. J'ai un outil qui permet de Blend Fun, mais j'ai pas fait exprès de cliquer dessus, pardon. Incroyable, je joue pas en dernier. Oh, t'as joué en deuxième. Donc Arki, tu viens littéralement de te faire smiter la gueule. Tu viens littéralement de te faire smiter la tronche. Et Oh putain, j'aurais pu one shot. Non non, c'est bon. Je vous expliquerai après pourquoi j'aurais pu, une fois que vous aurez fini le combat, je vous expliquerai pourquoi j'aurais pu one shot. Mais Ah oui, fais-moi un jet s'il te plaît, et oui, tu vas pouvoir avoir un avantage de charisme, s'il te plaît. Alors, charisme. Ah, je suis quand même plus de... De sauvegarde de charisme, donc t'as plus 2. Ah, bah, en fait, tu, suite à cette attaque, en fait, tu te retournes vers vers le démon qui a pris le corps de Bassa, et tu ressens un besoin irrésistible d'écouter toutes ses paroles, de boire ses paroles et de maître, d'attaquer ses amis, d'attaquer tes anciens amis. Maître, je suis à nouveau à votre service. Va donc, mon fidèle bouffon, va donc tuer ces malotrus. Bah du coup j'attaque le premier qui est le plus proche. C'est Ragnar. Visible. Bah visible, je suis pas sûr que Ragnar soit bien visible à cause du pilier. Mais t'as le droit de bouger, t'as le droit de faire ce que tu veux, hein. Bah ouais, bah je me mets là. Et Ragnar, bon bah tu vas prendre 3 tirs dans la gueule. Alors. Tac tac tac. Ah vu que Ragnar a pas bougé. Ouh, en plus du coup j'ai tous mes bonus vu qu'il a pas bougé. Oui mais attendez, j'ai la musique qu'il faut pour ça, ça va donner des PTSD à Ragnar. J'ai un avantage, si je rate mon attaque, je peux relancer mon jet d'attaque, et si je le rate, je peux refaire une nouvelle attaque. En sachant que j'ai 3 attaques au premier tour. Bon, ça passe. Du coup, deuxième attaque. Critique. Ça passe aussi avec un critique. Et la troisième attaque, critique aussi. Ragnar, je vais t'attaquer plus souvent. Tu m'as fait combien de dégâts en un tour ? Alors attends, déjà, critique c'est... pas encore les dégâts, t'enflamme pas. Les critiques c'est maximum de dégâts, ça ? Critique non, c'est tu jettes 2 fois les dégâts. Bon bah c'est 1d8... Donc 2d8 pour les critiques à chaque fois, plus 5 à chaque fois, donc là tu vas avoir un plus 15 vu qu'on va faire les 3 attaques en même temps, et tu vas lancer 5d. Voilà. Et plus 15, il m'a dit. Hein. Bah, plus 15, tu as touché les 3. Okay. Hop. Oh. 44 points de dégâts dans le Ragnar. Et au moment en fait où tu as attaqué Ragnar, l'effroi d'attaquer un de tes amis et le dégoût fait que tu reprends contrôle de toi-même. Ok, je suis sans voix. Non, non, je suis même pas sans voix, je suis ultra vénère. En fait. C'est un Ragnar. Mais encore ? Pardon. Bref. Combien de distance il est ? Alors, comptez pas les cases, elles sont beaucoup trop grandes. Vous êtes à portée. C'est une petite salle du trône, hein. C'est pas un manoir, hein, le trône. Hein. Ok. Bon. On va donc commencer joyeusement en faisant une rage. Le blanc. Et je suis rentré, moi. Alors, tous les, autres, vous voyez, tous les autres, vous voyez au moment où Ragnar rage,
Donc pour ceux qui l'avaient déjà vu, Orarchésis, donc il devient noir au fur et à mesure, ça vous le saviez, mais vous voyez aussi des boules de lumière sortir de son corps. Pour Orarchésis, c'est la première fois que tu le vois s'énerver, déjà tu savais même pas qu'il était capable de faire ça. Ah bah en fait je suis même pas sûr que je le vois tellement je suis énervé et concentré sur le boss. Il a envie de transformer en Saiyan ou... C'est le super dragon de l'espace. Non. Après, on va se mettre à porter. Il faut apporter. Je suis en train de me dire que j'ai même pas utilisé ma marque du chasseur sortie sur Ragnar. Oui, t'aurais pu être plus vénère. Hein. je vais donc faire une première attaque. Mm-hmm. Qui, d'une, je vais balancer une précision attaque. Mm-hmm. Plus, du coup, avec le barbare, je vais y rajouter le reckless attack pour avoir l'avantage. Et le Great Weapon Master qui, du coup, va me donner moins 5. Ouais. Donc, ça veut dire que j'attaque avec. Donc, c'est. Master Damage, D20. C'est plus 8, sauf qu'il y a moins 5, donc ça va être plus 3. Avec en plus 1D8. Et. Je vais lancer 2D20 du coup pour l'avantage. Ça tout sérieux. 4, 9. Ouais, ça fait 12. That's fake. Et bah, je vais. Deuxième attaque, je vais faire le même. Je vais redémencer un. J'ai super BT, tant pis. Je touche cette fois, ok. Je relis ça pour être sûr, ok. Non. Donc, clear. Ensuite, je fais 2D6. Non, c'est plus que ça, c'est permol. Il est 5d6 plus 10, c'était ce dégât là. Non, oui, ça avec le avec la rage, c'était celui là. Sauf que j'y rajoute encore plus 10 à cause de ça qui a touché. Donc, au lieu que ce soit plus 10, c'est plus 20. J'ai fait un 2 et un 1, je vais reroll. Avec, du coup, on est d'accord, ça. Non, ça, c'est les attaques. Excuse-moi. Il est où ? J'ai pas un truc qui reroll les 1. C'est ça, des attaques, c'est ça. Hop, on reroll ça. Hop, donc, 6, 12, 18, 21, 25, 45 de dégâts. Mm-hmm. Mm-hmm. Hop, et action bonus. Non, action bonus est utilisé, donc ça fait un tour. C'est ensuite la Mercution. Eh ben, le Mercution, il va avancer et se mettre à la droite de son pote Bassara. Il va faire un truc complètement fou. Un truc de malade mental. Il va essayer. Et j'ai bien essayé parce qu'on a peu de chances de réussir de faire une bousculade au boss. Mm-hmm. Donc attends, laisse-moi me rappeler mon truc. Mm-hmm. Donc c'est un jet d'athlétisme. Donc moi je fais un jet d'athlétisme, toi tu fais un jet d'athlétisme ou d'acrobatie, celui qui t'arrange. Si je réussis, tu prends le coup de bouclier. Si je réussis pas, rien ne se passe. Vas-y. Oh, tu le mets, tu le mets au sol. Attends. Il a l'avantage. Ah non, il a la maîtrise. Non, ouais, tu le mets au sol. Très bien, il est au sol. Donc là, du coup, tu prends les. Si je me souviens bien, c'est 2d6 de dégâts de force sur mon bouclier.
Attends, je donne mon bouclier, il est là. Désarme-le, désarme-le. Jette-moi cette épée maudite. Je peux pas désarmer, je peux que mettre à terre. Honnêtement, pour désarmer le truc qui doit être à moitié fusionné, genre à part couper le bras, je sais pas comment on fait là. Bon, bah tu prends 4. Coupe le bras. Tu prends 4 dégâts de force. Maintenant, je fais un tir de pistolet arbalète avec mon action bonus. Comme t'es à terre, j'ai avantage. Même avec avantage, là tu le touches pas. Scheisse. Aux autres. Et c'est la fin de mon coup. Moi je me décale entre Chloé et Sarah. Et je lance un... J'incante un sort de bannissement sur ton Mephisto là. Donc potentiellement s'il reste concentré pendant une minute, je l'envoie sur un... S'il est de notre plan, sur un autre demi-plan, et s'il est d'un autre plan, bah dans son plan, le temps d'une minute à peu près. Ok. Histoire que, comme ça, vous pouvez, Chloé et Sarah, derrière, vous pouvez vous occuper de calmer Arkessis, et on se prépare un peu mieux au retour de l'autre Tabano pour lui dérouler les olives dans la gueule. Et pas besoin de me taper, j'ai repris mes esprits hein. Ah pardon, j'ai cru que t'étais encore présent. Non, justement, il avait dit qu'il était dégoûté. C'est ça, il m'a mis mes points de dégâts, puis il s'est réveillé. Non, t'en prendras une pour la cause. C'est ça, pour la postérité, juste comme. Donc... Alors... Hop. Je te jette un truc, si j'ai pas de bêtises. Alors, je sais plus comment il marche, bannissement, il est où? Bannissement, c'est la cible doit réussir un jet de sauvegarde de charisme sous peine d'être banni. Si la cible est native du plan d'existence sur lequel vous êtes, vous bannissez la cible. Un jet de sauvegarde de charisme. Voilà. Ok. Et je peux rester concentré jusqu'à une minute pour le tenir hors de là. J'ai fait 18 plus son bonus de charisme que je ne vous donnerai pas. Voilà. C'était une tentative. Faut que tu fasses un 20. Non, c'est lui qui fait un jet pour résister au DD du sort de... Quand c'est une cible, c'est pas un jet d'attaque. Ah. C'est que lui doit faire un jet pour résister au sort de... Ah, je crois que c'était une position, pardon. En fait, c'est la façon dont il manie le sort. Vu comment il est moche, il a forcément moins 6 en charisme, je suis désolé. Rappelle-moi quelle classe c'est. Maître Je suivrai vos ordres, maître. Chai Stormlord, tu m'as abandonné. C'est ensuite à Félix et c'est ensuite à Félix et Chloé. J'ai une question en MJ. Ma dague de retour. Quand elle se déplace, c'est genre plus comme un boomerang qui revient magiquement vers moi, ou ça se TP? Ça se TP dans ta main. D'accord. Oui. Parce que je réfléchissais à différentes possibilités, je me demandais ce qui se passait si j'attaquais, une forme de boomerang. Écoute, il n'y a pas grand monde qui a pris du dégât. Je sais pas de bêtises. Bah, par moi, non. À part Arkadis qui a pris 50 PV dans la gueule. Oui, non, mais je veux dire, à côté de ça, c'est. Et pour savoir si j'ai des sorts qui doivent adapter l'autre, parce que j'aimerais bien lui mettre un peu de soin, mais si j'avais une personne blessée, il faudrait que je cherche. Enfin, si je pouvais pas faire ça. Non, par contre, tu peux soigner les blessés qu'il y a dans la salle. Oui, bah là, genre la mère et Duncan. Que je posais la question avant qu'on se déplace. Oh les chiens, c'est bon! Non, c'est très compliqué de se concentrer. J'ai déjà du mal de ventre, mais machin, tout le monde fait à côté. Après, là, dans l'état du truc, si tu lui fais une attaque, ça compte comme une attaque sournoise. Donc, tu fais masse dégâts. Ouais, c'est vrai. N'hésite pas que Virago a parlé à peine plus fin, j'ai un peu de mal à t'entendre à des moments. Je vais essayer, mais j'y rentre rien parce que, comme je disais, je suis un peu éclaté.
Ah non, j'avais pas entendu. Bah vous préférez que je soigne ou que j'attaque? Attaque. Ok. Et ben du coup on va le faire en attaque sournoise. Par rapport à lui, ouais, ben un bon lancer de dague. Le plus handicapé. Oh, je lui disais le coup. Le dague est plus compliqué. Maître, oui. Le boss, c'est une aberration de monstruosité ou c'est juste un... Je peux pas te le dire. Ouais, je le verrai quand je ferai les dégâts, quoi. Ok. Non, rectification. Quand tu feras les dégâts au boss. C'est un jeu de quoi pour l'attaque à distance déjà. Ton jet de dextérité, c'est une arme de finesse. C'est un jet d'attaque normal avec ta dextérité en plus, parce que c'est une arme de finesse. Donc là, tu vas avoir plus 7. Ouais, t'as plus 7 et vu qu'il est à terre, t'as un avantage. Donc, donc tu jettes 2 dés et tu prends le meilleur. Donc 2 dés 20 plus 7, c'est ça. Et même le deuxième dé. Ça touche. Heureusement que c'est avec avantage. Alors, maintenant, combien il faut que je lance de dégâts donc. Attaque sournoise, 4d6 de dégâts sup. C'est-à-dire que c'est 1d4 plus 3. Donc, hop. 1d4. Déjà, je roule ça. Donc, il y a 5 plus 4d6. Ok, 12. C'est le dégât total. Ok. Ça fait l'île. Enfin, ça a cloué, pardon. Fait l'île, tu peux bouger. Hein. Le fumier, il nous a traqué les démêches sur les figurines, sur tous les mobs sauf celui-là, quoi. Alors, toi, elle va se mettre au contact comme une brute. Elle va claquer un emplacement de sort de mouvement pour lui mettre une marque de chasseur. Attends, c'est marque du chasseur que je veux. C'est ça. Une marque du chasseur, donc il prendra 1d6 dégâts supplémentaires. Mm-hmm. Je tape. Et puis, du coup, premier coup de tatane dans la gueule. Et non. C'est que ça passe pas. Non. Troisième coup de tétane. Oui. Et je vais lui mettre un smite en plus. Vas-y, je t'ai dit. C'est juste que c'est là. 31 PV. Putain, j'ai oublié. Putain, j'avais la résistance aux dégâts de crit normalement, donc Arkin faisait moins mal. Tant pis. C'est noté. C'est à lui. Oui, mais comme j'ai oublié des dégâts, ça se compense. Ouais. Donc vous voyez les blessures que vous lui infligez se résorber
se résorber et la chair en fait se rétracter. Et là, vous l'entendez parler d'une voix démoniaque et caverneuse. Vous tuerez tous. Tous autant que vous êtes, je vous entraînerai dans les ombres. Vous le voyez incanter un sort. Et une zone d'ombre. Donc une zone de... on appelle darkness. Ça déjà d'obscurité. Voilà, c'est darkness qui lance. Merci. Ténèbres, ouais. Je dois l'avoir d'ailleurs. Le petit sort ténèbres qui fait plaisir. Ténèbres qui va tout se foutre dans le bras. Est-ce que je l'ai? J'ai une question. Ça marche comment la zone d'ombre avec mon bâton qui fait de la lumière? Alors en fait là c'est des ombres magiques. C'est-à-dire qu'en fait ça bouffe toutes les lumières. Il marquait que le... Si le sort chevauche une portion de lumière créée par un sort de niveau 2 ou moins, le sort de lumière est alors dissipé. Ah moi c'est juste mon bâton qui s'allume. Hein. Ouais donc on... Allez, ça enlève les attaques d'opportunité, non ? Pourquoi il revient vers moi ? Alors tu ne vois rien Sancho. Donc l'attaque d'opportunité quand tu es littéralement aveugle... On n'est pas aveugle, hein. Attention, on n'est pas aveugle, on est dans les ténèbres. Ah non, ténèbres ça aveugle pas. Dark... Ah. On voit rien même avec vision dans le noir. C'est un sort de magie. C'est littéralement un sort de magie qui existe, qui est. Je sais plus comment il s'appelle. Je le connais, je l'ai avec mon tiflin. Oui, et il fait magique. On voit rien. Oui. On peut taper dans le vent avec des avantages. Alors vas-y. Par contre, tu te rates, tu touches Ragnar. Pas de problème. Du coup, techniquement, j'ai le droit de frapper aussi avec des avantages. Oui. Et tu touches sur Chloé, c'est ça? Non, alors, tu t'es raté, pas. Donc s'il te plaît, Sancho, fais-moi les dégâts dans Ragnar. Et mais pareil pour toi, Ragnar, si tu fais l'attaque d'opportunité, non, tu peux toucher Sancho, Ragnar. Non, je peux attaquer, Chloé. Par contre, je remarque que le boss, il est amoureux de moi, là, parce que... Donc Ragnar, tu prends 4 points, tu prends 4 points de dégâts, t'es en rage, j'oublie pas. Je prends que 2, c'est ça? Non, il t'a mis 7, divisé par 2. Ah oui, d'accord. 4. Ça va. Alors Arkhesis, tu le vois lever son épée. Ah, attends, je suis pas dans ténèbres là? Alors, en fait, si tu veux, juste parce que c'est, comment dire, quelqu'un de très 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 méchant, il veut que tu vois ta mort arriver. Scénario. Okay. Et tu n'oublieras pas, c'était qu'il a des avantages. J'ai jeté les dés déjà, je sais, Ragnar. Non, mais je préfère. Donc tu le vois lever son épée au-dessus de sa tête, prêt à t'achever avec un sourire. Tu vois, en fait, comment dire, une tête qui ressemble à Ragnar, mais avec un sourire qui va jusqu'aux deux oreilles. Okay. Il est prêt. Tu vois ta vie défiler devant toi. Tu vois, comment dire, tu vois vraiment de ta naissance jusqu'à ce moment. Faut savoir, je vais le dire avant de mourir. Bon, tour d'après, je comptais aller libérer les otages. Est-ce que t'as une dernière phrase à dire, héroïque, avant de mourir? Je reviendrai. Je te tuerai. Tu entends, tu fermes ton œil prêt à accepter ta mort. Ouais. Et t'entends un clon. Tu le réouvres et tu vois deux épées qui sont en train de parer le coup de Mephisto, le coup donc du démon. Et tu entends une voix que tu connais très familière, une voix que t'as connue dans ta jeunesse qui dit « Bah alors mon frère, encore je viens de te sauver la vie ?» croire. Donc vous voyez tous les autres une apparition fantomatique. Alors faut que je retrouve ta figurine. Comment elle s'appelait déjà ta sœurette? Faut que je retrouve mes dates. Que je retrouve la figurine. Tyria, pardon.
Kyria, tu m'as dit ? Attends, faut que ouais. Je la renomme. T-H-I-R-Y-A. Attends, comment ça, Tyria ? Qui est derrière lui et qui... Il a seulement de comprendre. Et qui est en train donc de bloquer l'épée du mieux qu'elle peut et qui dit mais dégage de là putain. Je... Quoi? Oh Raina, tu t'éloignes de ma sœur. qui vient de lire le Discord. Je fais ce qu'elle me dit, je cherche même pas à comprendre. Donc c'est ton tour, Arké, et tu vois littéralement une manifestation fantomatique de ta sœur qui a bloqué l'épée du démon et qui est là. Je vous attraperai. J'attaque. J'ai fini son mouvement, il retourne dans les... Et bah, de toute façon, il pouvait pas, il avait plus de mouvement vu qu'il se relevait de toute façon. Je suis pas avec des avantages par contre si t'attaques, mais tu peux attaquer. Ok, c'était pas ce que j'avais prévu de faire. Je suis perdu, même le joueur est perdu. Ok. Bah je lance mon attaque, de toute façon si je rate mon attaque, je peux refaire une attaque. Donc plus 11, hop. Bon bah de toute façon pas besoin. Donc première attaque réussie. Je fais la deuxième tout de suite. 11 plus 8, non, ça passe ou pas? Pas. Donc bah je refais une attaque, c'est ma nouvelle capacité de niveau 11. Rafale du tracker. Bon ça touche pas. Donc par contre il y en a une qui touche. Mm-hmm. Alors du coup c'est D8 plus 5 plus 4 si jamais c'est une aberration. T'as pas ton plus 4. Ok. Donc c'est pas un monstre ni une aberration. Mmh, 12 PV. En fait, je lui parle même pas, je suis tellement choqué que... Et tu la vois venir se reposter près de toi. En garde, prête à te défendre. Alors j'ai mon œil valide et mon œil non valide qui pleurent tous les deux. Est-ce que le joueur a sa larme qui est tirée? Quasiment. Salaud. Ensuite c'est à Bassara. Je vais me recoller à lui. Darkness, j'ai pas de désavantage si je suis collé à lui. Ah si, toujours si. Ah si, tu ne vois rien. Bah si t'as pas vision dans le noir, même c'est des ténèbres magie. Donc si t'as pas la vision du diable des occultistes, tant qu'il maintient son sort, vous ne voyez rien. J'ai pas de désavantage à le pousser, si. Ah bah si. Bousculer, c'est une attaque. C'est considéré comme une attaque. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça reste une attaque. Bon bah du coup, je vais juste l'attaquer avec Reckless, du coup, ça annule le désavantage. Ouais. Hop, donc... Tac, on est là. Tac. Non, je vais pas utiliser D, on va rester à ça. Mais du coup, je vais pas utiliser D, ça, on reste à 8. Hop. Mais comment? Non, rien. Ah, attends. Non, j'ai rien pour annuler ça. Bon, bah, je fous à l'intérieur de ma première. Hop, et bah je vais relancer une deuxième. Ah, le mode est map. Enfin, un développeur qu'on casse les. Des roubignoles. Ouais. Avec... Roll. Ça touche. Ok. Bien. Donc, c'est 5, 6 plus 10. J'ai pas d'autre. Non, hop, on est parti. Je reroll ces deux-là.
Alors, 6, 12, 16, 20, 21, plus 10, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Clear. Et ma bonus action, elle est utilisée du coup pour second souffle. Donc c'est un des 10 plus mon niveau de guerrier. Il maintient son sort. Ok, un des 10 plus. Huit, 16. Je reprends 16 fait. Continuez, hein. Il joue en dernier, hein. Donc continuez, hein. C'est à Mercution. Bah, j'attendais de savoir qu'il avait fini son tour. Ouais, ah, je savais qu'il y avait un blanc. En fait, comme il y avait un blanc, je pensais que Ragnar avait fini. Ah, moi j'attends qu'il me dise qu'il a fini. Tant qu'il me dit qu'il a pas fini, je bouge pas. Tout est fini, je peux y aller. Ok. Donc on est d'accord que la zone de ténèbres, elle fait vraiment la forme du merdier. Oui, 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 je l'ai mis exprès. Et donc lui, il baigne à moitié dedans ou totalement dedans? Non, il est totalement dedans. Ok. Donc du coup, eh ben, on va faire un truc qui est très très rigolole. Ma taille. Ok. Voilà. ça sert à rien qu'on perde de... À l'extérieur de la zone, on le voit ou pas? Non. Non. En fait, imagine qu'il y a une grosse bulle noire. Ouais, c'est... Et tu ne vois rien, ni quand t'es dedans, ni quand t'es à l'extérieur. Okay. Oui, apparemment. Je veux bien tenter un truc, en vrai. Oui, vas-y. Est-ce que t'as fini ton tour, Sancho? Est-ce que tu veux soigner Arkhésis ou pas? Ouais, je mets une main au cul à Arkhésis et je lui lâche un petit sort... de niveau 2, j'étais en train de chercher ma fiche en fait. Le petit toucher rectal, c'est ça? Uniquement si tu frottes un petit peu au niveau des fesses. Mec, là il met le gant, penchez-vous en avant monsieur. Pour une fois que je vais te toucher pour pas te mettre une baffe mec. Ouais, en fait là en gros tu pourrais me faire n'importe quoi, je verrais même t'as pas perdu, en fait. T'as perdu combien de PV? J'en ai perdu 44. Bon, je vais pas pouvoir tout te rendre, hein. Je vais essayer de faire en sorte que tu crèves pas tout de suite. Là, il me reste 39 hein, pour te dire. Bah écoute, je vais utiliser en niveau 4, donc ça va être 4d8 plus 4. Après, t'es pas obligé de tout claquer sur moi, tu peux m'en donner un petit peu et préserver pour les autres. Hein. Bah, t'inquiète, hein, c'est plus moi. Bon, parce que là, j'ai un peu mon ange gardien qui me sauve la vie, là. Tu récupères 31 PV. Oh, merci. Et voilà, ce sera tout pour l'instant. Et histoire d'être bien, voilà. Je suis indépendante. Mais alors, je me déplace en direction de. Hop là. Je traverse la salle pour aller les rejoindre. Rejoindre nos deux blessés, enfin nos deux loués. Et j'en profite pour envoyer un soin de groupe. Donc pour c'est un rayon de 9 mètres. Et je peux soigner jusqu'à 6 personnes, 3d8, plus mon modificateur d'incantation. Donc, je suis en train de me dire que c'est Ragna qui avait pris plus cher que moi en fait. Hein. De quoi? C'est Ragna qui avait plus pris cher que moi en fait, t'aurais presque dû le soigner. Mais là je soigne mon groupe. Vas-y, j'ai de ton dé, de toute façon ils prennent tous autant. Ah, il parle à la Mercution seulement. Mais bon, même avec tous les dégâts que j'ai pris, j'avais quand même plus de PV max que toi. Mon invocation c'est ma sagesse 3. Est-ce que... Ah ouais, non, t'as pas assez pour soigner les deux. Là, il choisit, il a 6 cibles à qui il va régénérer des PV. Voilà. Donc,
Il y a Arkessis, il y a nos deux cloués au mur, Bassara. Et il me semble que c'est tout ce qui, pas grand monde, a perdu de plus. Bah, les plaies des deux autres commencent à se refermer. Jusque là, donc les deux cloués au mur se referment, mais ils sont toujours cloués au mur. Oui. Bassara, il soigne, et Arkessis se soigne. Du coup, t'as soigné les plaies alors qu'ils sont accrochés littéralement comme Jésus, non? Avec les clous dans les mains. Bah, Duncan est littéralement accroché au mur comme Jésus et la mère de Ragna est clouée à sa chaise. Donc ils vont encore plus souffrir quand tu vas les déclouer. Tu connais le baron or et azur de Lampost? Non. Bah, c'est ça qu'on va jouer. Non, j'ai pas compris. On a gagné combien de PV? Excuse-moi. 17. Ah bah c'est ensuite à Pélil et à Pélil aussi ensuite. Yeah. Je suis full Pélil. Alors si j'ai bien compris comment marche le système de magie, si théoriquement je lance un sort de détection de pensée sur lui, ça devrait parasiter sa concentration. Alors pour ça, faut que tu puisses normalement le voir pour pouvoir lancer détection de pensée. De la clé. Y'a qui déjà dans la fumée? Toi, littéralement, que t'es dedans. Mm-hmm. Chloé et Bassara. Okay. Vous êtes à combien de PV, Chloé et Bassara? Bien assez. Ok. Vois si je fais une nuée de dagues dans le truc. Oui, les gars. Tu vois rien, il faut que tu sortes. Dans un cube de 1m50. D'abord, faut que tu sortes. Vira, faut que tu sortes de la zone. Imagine-toi que c'est comme si t'avais un trou noir devant toi. Tu ne vois strictement rien tant que t'es dans la zone. En fait, t'es aveugle. Donc, en fait, faut que tu voyes la zone. Faut que tu voyes la zone où tu comptes mettre ta nuée de dagues. Tu peux pas me cibler, moi? Non, parce que tu te vois pas, toi. Tu te vois pas, toi-même. Dans les ténèbres, tu ne vois rien, absolument rien. Il n'y a aucune lumière qui passe, du coup, il n'y a personne qui peut rien voir. Sauf la magie des fielons qui ont un œil particulier. Donc là, par exemple, tu vas sortir, te mettre à... Dans ce cas-là, je sors du truc, en fait, parce que je ne peux rien faire d'autre. Bah là, il faudrait que tu sortes, que tu reviennes vers le milieu, que tu lignes d'à peu près au pif. Au pifomètre, en espérant que tu tombes sur le... De toute façon, j'avance tant que je suis dans le bousin, hein, ça ne sert à rien, c'est là. Hein. Bah, je te laisse drag des drums ta figurine. Donc là, t'auras pas de ligne de vue par contre, t'as plus de ligne de vue là avec ton monde. Si j'ai bien compris, de toute façon, je voyais rien de base. Oui, non, mais je te préviens, je te dis juste que pour l'instant, tu n'as plus de ligne de vue, tu n'as toujours pas de ligne de vue. Je sais pas s'il me reste des actions, ok. Bah, techniquement, une action, mais si tu peux rien en faire, tu peux dasher. Voilà. Oui, voilà, mais c'est ça, c'est savoir si je me déplace ou sort. Tu peux dasher, c'est le prix d'une action, mais tu peux dasher. Donc ouais, tu feras le double de ton mouvement. J'essaie de trouver un endroit où je vois quelque chose de ce qui se passe. Bah là, typiquement, tu vois un bout de son épée qui dépasse, quoi. Ok. Bon. C'est à toi, Chloé. On est d'accord qu'il n'y a pas moyen de faire de test de perception ou de survie pour essayer de retrouver le machin. Rien du tout. C'est vraiment... En fait, à moins d'avoir... Tant qu'il a... Pour vous donner en fait le spell tel qu'il est, c'est que tant que lui maintient le spell, il y a une zone en fait de noir tellement intense que toutes les lumières sont avalées, que les lumières magiques ne marchent pas, et qu'à moins d'avoir donc la vision du diable qui est une perte d'occultiste ou de démon ou autre qui permet de voir dans tous les ténèbres, même magiques, vous ne voyez rien. Si vous voulez, je peux faire ténèbres aussi, comme ça on pourra voir s'il voit ou pas. Et dans la zone. Non, mais du coup, on est d'accord que je peux essayer de le taper et que j'ai juste un désavantage. Tu as un désavantage, par contre, si tu rates et en fonction d'où tu te places, si tu rates, tu touches Ragna. T'inquiète, ça passe. Alors, pour commencer, je vais utiliser mon action bonus pour faire un vœu d'hostilité contre la bébête, là. Tu le vois sachant pas, que j'ai pas besoin de voir. T'as pas besoin de voir pour le vœu d'hostilité? Vœu d'hostilité, c'est bébête à 3 mètres, ça dit pas que j'ai besoin de le voir. Bah très bien, alors.
Donc j'ai avantage contre lui et des avantages, donc ça revient à rien du tout. Et du coup, première patate. Attends, je vais te déplacer. Fais ta tatane. Hop. Hop, première tatane. La touche. Touche. Alors, du coup, c'est 1 des 6 plus 7 plus 8. Voilà. Il prend juste le V. Et puis on va faire le V. Non, là ça touche pas, donc jette dans Ragna s'il te plaît tes dégâts. Ouais. Ragna, est-ce que tu as des résistances aux dégâts radiants ou ce genre de truc? Ah non, absolument pas, juste des résistances aux dégâts critiques. Et la résistance de d'orange. J'ai mis deux autres points, donc tu prends 16 points de vie. 16 points de vie? Attends. Ça, c'est un 16 et la. T'as déjà enlevé la rage ou pas? J'oublie à chaque fois. Ah, c'est des dégâts magiques, donc ta rage ne marche pas contre les dégâts magiques, Ragna. Oui, du coup, je prends juste 16 dans la mouille. J'ai oublié, il est toujours sur le marque du chasseur, donc sur le premier coup, il y a un des 6 de plus. Oui, vas-y. Logiquement, j'ai pas la marque du chasseur sur Ragna, donc ça ne devrait pas lui faire ça. Donc, on prend 6 en plus Non, c'est mon perso qui prend 6 en plus. Ah, d'accord. Donc c'est à lui de taper. Parce que la marque du chasseur, je l'ai mis sur lui et pas sur toi. D'accord. Tu n'as pas la concentration quand tu fais taper d'ailleurs? Je le jette à chaque fois. Il jette un DF à quoi pour savoir? T'as un jet de sauvegarde de tous les Mais comme il a 74 000 en constitution, tu te doutes. Non, il a du scénarium à la place des stats. Bah non, c'est un buff, il a plus 14. Donc à moins qu'il fasse un 1, il a. Voilà. Ah. Vous voyez un flash de lumière noire arriver près, donc arriver sur ce point là. C'est pas sur Arkhésis. Le nuage de fumée disparaît et vous le voyez en fait entouré d'une aura pulsante violette, et vous voyez aussi, en plus, vous voyez que les plaques d'armure qu'il a en fait commencent à s'ouvrir, en fait à laisser apparaître en fait des failles violettes au niveau de son corps, et vous le voyez être là. Vous êtes plus résistant et plus dérangeant que ce que je pensais. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et il a pris plus de dégâts des potes que du mec. Yep, on vient de passer. Donc, dans la phase 2. Chloé, il va t'attaquer. Tu vois que son épée sointe de poison, littéralement. On n'oublie pas le désavantage. Oui, je sais, mais j'ai touché quand même. De poison et un peu de son d'Arkhésis aussi. Alors. Ah, attends, faut que je fasse ça. N'empêche pas. Plus ça. Plus ça. Chloé, t'as une bonne station assurance vie. Tu viens de prendre 53 points de dégâts, Chloé. C'est ma réaction, il prend un D8 de dégâts radiant. En 7. Il va te remettre une attaque, lui. Donc lui, au moment où là il va t'attaquer, ce coup-ci, tu vois en fait arriver devant toi un dragon, qui ressemble à s'y méprendre à Ragna, et qui pose en fait son bouclier devant toi et qui bloque l'attaque de Mephisto. Ragna, tu le reconnais, je te laisse insérer le nom d'un de tes potes. Attends, donc on est d'accord que, du coup, tous les autres voyaient ma sœur. Bien sûr. Oui. Et personne n'a réagi. Genre, un gros fantomatique apparaît, ça n'a choqué personne.
Donc tu sais, moi j'étais dans l'obscurité jusqu'à il y a environ 5 secondes. Hein. Pareil, jusqu'à ce que je te mette la main au cul, je l'avais pas vu. Et moi je m'occupe des deux. Mais c'est pas fini, il a pas fini d'attaquer. Donc tu vois encore le. Deuxième fois, tu vois le dragon bloquer le coup. Mais à la troisième fois, l'épée le traverse et te touche. Donc là, c'est. Tu prends 43 points de dégâts. Et est-ce que même Ragna se prend un dégât psychologique de voir ses potes remourir? Je sortais un rêve d'un film. Je vois des gens qui sont morts. Donc Chloé vient. Je suis à moins 4. Donc vous voyez en fait l'épée lacérer Chloé. Et vous voyez Chloé tomber dans l'inconscience. Je hurle Chloé. Je hurle Chloé. C'est à Arkhedis. Ouais. Je voudrais bien l'aider, mais je peux absolument rien faire de là où je suis. Ah, tu peux bouger. Ouais. Tu peux tirer. Hein. Oui, tirer, ça c'est ce que je vais faire. Mais j'aurais bien aimé. Est-ce que. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais pas attaquer le boss. Je vais bouger comme ça. Ici. Mm-hmm. Et je vais tirer Chloé et utiliser mon action bonus pour refoncer. Donc je refais un deuxième mouvement avec Chloé. Donc tu vas bouger Chloé, donc attaque d'opportunité. Sur Chloé ou sur moi? Sur Chloé. Sachant on peut que faire là... une attaque d'opportunité. Bien sûr. Ouais, sachant mais... que là, elle a... Bah si tu la déplaces, oui. En général, un corps se déplace pas. Mais là, oui, si le corps se déplace, elle va prendre une attaque d'opportunité. Sachant que comment fonctionne la mort dans D&D, là, à chaque début de son tour, elle va faire un jet. Si personne ne l'aide ou la soigne. Si vous pouvez faire l'action d'aider pour la remettre à 1 PV, mais elle va en fait faire un jet contre la mort, un jet de résistance contre la mort. 3 réussites, elle revient à 1 PV, à 3 ratées, elle meurt. Sachant que quand tu la tapes au sol, corps à corps, ça compte comme. Un raté obligatoire. Non, 1 et si c'est un critique, 2. Ah non. Là, ça compte comme double quand ils sont inconscients. Non. Pas forcément c'est... critique. C'est 1 et critique 2, ça a été on va dire réduit le délire parce que sinon c'était trop pété. Je peux pas la rendre invisible. Ah le plus simple c'est de lui péter la gueule au dragon. Arkhedis qui est là. Je lance ténèbres. On a des healers. Pas j'hésite. On a des healers qui peuvent heal à distance. C'est bon. Bah oui. Oui mais de la traîner pour la mettre en sécurité. C'est juste psychologiquement de tirer un arc sur l'ennemi pour une fois. C'est juste mon perso psychologiquement, il a envie d'aider Chloé. Parce qu'il se sent redevable. De quoi? De s'être fait péter les genoux? Non, vous pouvez pas comprendre. De s'être fait pas tuer par percussion. Exactement. Moi j'étais là, je sais. Je me suis toujours pas excusé à Chloé et j'ai pas envie qu'elle meure avant. En plus, t'as reçu une lettre. Pour respecter la tension du combat, je vais vous demander maintenant de prendre des décisions. Vous avez 10 secondes par personne pour prendre une décision. Je vais même vous mettre le petit timer ici. Attends, voilà. Est-ce que je peux faire un truc? Est-ce que je peux quand même la tirer et au moment qu'il fait une opportunité d'interrompre l'attaque? Mais du coup, au lieu d'utiliser mon attaque foncée, j'utilise juste mon action pour la tirer du combat. À toi de est-ce voir. Que avant qu'il le fasse, je peux dire un mot de guérison depuis là où je suis? Oui, non, mais je sais ce que vous pouvez faire. Qui pas d'être 9, au cac. 8. Non, mais c'est ce que je viens de te dire, c'est ce que je fais. Du coup, je la tire, mais je, au lieu de foncer comme je voulais faire, j'interromprai l'attaque d'opportunité du boss. Donc tu te places devant l'attaque d'opportunité? Ouais. Pas avec mon épée. Tu veux finir en kebab tout seul? Tu peux. Ouais, globalement. Donc il va te mettre l'attaque d'opportunité. Hein. Mais du coup, clairement, je sors Chloé du combat. Oui, oui. Ouais. Tu risques toi de faire partie des... Enfin, une attaque, c'est pas trois attaques. Non, mais c'est 63 points de dégâts. Ouais, voilà, il me reste 20. Oui, tout va bien. En somme.
T'as juste les deux genoux au sol, quoi. Ça. En tirant Chloé, en te mettant, en mettant ton corps entre la lame et elle, tu sens une balafre qui est à deux doigts de te rendre tétraplégique. Ouais, ouais. Mmh. Mais, en fait, même avec ce coup d'épée, et ça c'est Arkhésis lui-même, c'est pour Arkhésis que je dis ça, tu te sens anormalement bien. Ok. Et fais-moi un petit jet de charisme. Je le savais ! Je suis toujours en avantage ? Allez oui, ah, je te l'accorde. T'es toujours un elfe ? Bah non, mais il pourrait me mettre à des avantages pour annuler mon avantage, c'est que tu vois. Ah. C'est bon, tu résistes au pouvoir de l'épée, mais tu le sens toujours anormalement bien. Ok. Et sa sœur fantomatique, elle le protège pas sur ce coup ? Bah, je pense qu'elle a essayé de le protéger, elle a essayé de le protéger, mais l'épée est passée à travers elle. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il se jette lui-même sous les épées, elle peut pas faire grand-chose, la dame. Hein. Bah, elle peut pas prévoir que son frère est con, quand même. C'est ensuite ouais. À Mercution. Je mets les 10 secondes de timer. Attends, c'est à Bassara, pardon. C'est à Bassara. Je mets les 10 secondes de timer. Oui, bah, de toute façon, je vais attaquer. Hein. Il n'y a, pas de secret. Je vais attaquer avec mon avantage, du coup. Hop, sans malus, ça c'est bon. Hop, tac, roll. 19 touche, plus 8. Ça touche, ça touche. Ça touche, je vais utiliser une triple attaque vu que ça touche. Hop, je vais enlever un dé de supériorité. Nous sommes à 5 d 6 plus 10 plus 1 d 8. Ouais, c'est ça. Tac, j'ai pas utilisé ça, donc on est bon. Hop, roll, et il faut que tu fasses le jet de dé pour savoir si tu tombes. C'est quoi déjà? C'est un jet de dé d'athlétisme? Oh putain. Tac, tac, tac. 15, je pense qu'à 15, sans compter ses bonus, ça devrait suffire. Ouais. Oui, parce qu'il me semble que c'était genre 17 sur l'autre boss, hein, qu'il fallait mettre difficulté. Tac, donc il tombe pas, tant pis, hop. Clear, je refais une attaque. Bah, j'ai toujours avantage. Des 20. Je vais utiliser mon bonus, donc j'ai plus 3 de bonus. Hop, roll. Ouais, c'est plus 3. Non, ça touche pas. À 20, ça touche pas. Ah, chasse. Hop, et bah, du coup, nick. Action bonus. Est-ce que j'ai un truc à utiliser? Non, ça c'est utilisé. Ça c'est utilisé. Ça c'est mal. Ça c'est mal. J'utilise pas le. Si, je vais utiliser Gem Flight. Effectivement, Gem Flight pendant 10 tours, je pourrais me déplacer comme je veux. Ok. Et fin du tour. Ok, du coup ça vient à moi. Éclair traçant dans la gueule de mes fils. Mm-hmm. En niveau 3. Ça sent l'utilisation du conduit divin. Non, non. Ouais, ça fait 25, ça touche. Ça touche, ça touche. Ok, du coup ça fait. Ça fait 6d6 dans la boîte. De dégâts radiants. Oh, pas mal. Très bien. Et j'enchaîne avec un tir de pistolet arbalète. Ouais. Qui ne passe pas. Et c'est la fin de mon tour. Sachez que, vu que je l'ai touché avec mon éclair traçant, le prochain qui l'attaque a avantage. Mmh. Tu connais Pantès ? C'est à moi, oui. Ben moi, je dépince l'impératrice. Mmh. En essayant de la rendre consciente, donc
je vais utiliser un sort de soin simple ou un mot de guérison, je sais pas quel est le plus efficace. Bah le spell que tu veux, t'as 10 secondes, comme pour les autres. Oui, non mais enfin je t'ai annoncé ce que je faisais, c'est avant tout. Ah oui, oui, bah choisis le spell que tu veux. Voilà, c'est l'un ou l'autre, je regarde juste... Ah non, le mot de guérison c'est pour un groupe, donc on va faire le soin basique. Une fois que je l'ai décroché de son trône. Alors, soin, il est où ce débit là? Il est là. Hop. Ma caractéristique d'incantation, c'est quoi déjà? Rappelle-moi. Alors, c'est 12, c'est 10 plus ta sagesse. Ah non, ça c'est ton dé. Ta caractéristique d'incantation, c'est ta sagesse. Ma sagesse. Donc 16. Donc je vais lui rendre 1 des 8 plus 16. Non, c'est ton bonus de sagesse, mec. Donc 3 plus 3. Oui, oui. Et je le fais avec un emplacement niveau 3, donc ça fait 2 dés de 8 en plus. Dégueulasse. Donc plus 12. Ok. Donc tu la vois haletante, mais tu remarques que certaines de ses blessures, comme pour Ragna à l'époque, ne se ferment pas. Et, en tout cas, elle commence à prendre conscience. Oui, elle reprend conscience, mais tu vois qu'il y a des blessures qui ne veulent pas se fermer. Est-ce que c'est les mêmes genres de blessures que j'ai subies? Totalement. Non. Touché. Je prépare la suite. Donc ensuite c'est ta Félil. Mot de guérison sur Chloé niveau 3. Donc la ça, musique fait... Préparée, ça fait peur. Donc 1 des 4 plus mon modificateur de charisme, donc il fait 2. Plus 2d4. Plus 2d4. Le modificateur est du 1, 2, hop. Et du coup, Chloé récupère 14. Oh. Donc, Chloé, tu reviens à 14 PV. Du coup, elle voit un Arkhésis au-dessus d'elle dégoulinant de sang. Ensuite, c'est à Chloé qui ne peut pas attaquer parce qu'elle revient. Voilà, elle ne peut pas attaquer. Et sa première pensée est mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Pourquoi il y a un truc qui pendouille devant lui? C'est pas ses viscères. Et il voit, elle voit Arkhésis qui fait un grand sourire malgré la douleur. Tu vois, donc un sourire un peu bizarre. Hein. Un peu crispé. Je finis juste d'ajouter une dernière musique et je vais faire jouer le boss. Ma sœur, elle joue pas du coup? Non. Ah non. Ok. Pendant qu'il met la musique, Arkel. Putain. Voilà. Ok, on a la suite pour ce qu'il faut. Donc. Mephisto qui commence à avoir en fait son armure qui littéralement se détache de ses épaules et de son corps. Vous le voyez en fait, vous voyez le corps de l'ancien corps de Ragna est percé de part en part, une lumière violette en fait sortant du corps. Et il est là. Bon. Vous sentez que sa voix change, hein. Je vais devoir passer sur une lumière qui vous plaira pas, mais ça va être pour le scénar, pour l'ambiance. Vous le voyez en fait, la lumière externe en fait se venir en lui. Il absorbe en fait la lumière.
la salle prend une couleur rougeoyante. Ragna, fais-moi un jet de... Alors, Ragna, Sancho et Félix, si vous êtes dans sa direction, faites-moi un jet de perception. Je sais que la lumière est pas terrible, terrible, mais c'est là pour le... Alors Ragna, toi tu tiltes pas sur le moment, par contre Sancho et Félil, vous comprenez très bien ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est il va se faire péter. Vous avez 3 secondes pour donner un ordre aux autres. M'autorises-tu à faire une petite entorse aux règles? Dis-moi. Je trouve que j'ai déjà utilisé mes sorts sur ce tour, mais est-ce que tu m'autorises à utiliser mon contrip thaumaturgie pour faire résonner ma voix? Oui, 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 vas-y, vas-y. Pour le drama. Merci. Il va péter! Parez-vous! Oh, le gaz n'a jamais fait de mal à personne. D'accord. Vous avez tous les autres 3 secondes pour me dire ce que vous voulez faire. J'attaque. Je lance Chloé. Et un jet d'attaque déjà... et j'essaie de me barrer. Je comptais déjà sauter au loin, mais visiblement je me fais pousser. Une attaque est en 6 secondes, Ragna. Tu n'as pas le temps d'attaquer. Est-ce que je peux invoquer un serviteur invisible? Je sais pas s'il y a le temps ou pas. J'ai dit, vous avez 3 secondes. Oui, non, mais je sais pas combien de temps c'est. En fait, une action de type magie ou autre, Félix, c'est 6 secondes. D'accord, voilà, c'est ça que j'avais pas comme. Ok. Pourquoi je t'appelle Félix? Virago, Vira, copine, je sais pas, je suis pris dans mon personnage, là, je suis pris dans mon scénar. Ouais. T'inquiète, t'inquiète. Justement, c'est pour ça que je demandais si j'avais le temps ou pas, parce que je sais pas combien de temps ça prend exactement. Du coup, non, en effet, je n'ai pas le temps. Moi, je vais vous faire un tour de table. Je vous mets. Vous devez me dire instantanément ce que vous allez faire. Mercution. Ok. Je crie ce que j'ai dit et je fais. Ouais. Je plonge en arrière. Vira. J'essaie de jeter une dague sur le truc qui va péter pour le faire reculer un peu de nos copains. Ok. Je l'ai dit, je lance Chloé. Chloé. Oui. Moi je comptais faire un plongeon, mais visiblement le plongeon sera légèrement aidé avec un coup de pied au fond. Nepenthes. Un avantage sur ton plongeon. Ouais. Moi je vais protéger l'impératrice. Enfin la. Pas l'impératrice, merde. Enfin voilà. Et c'est la matriarche. Je me mets en opposition sur la zone d'éclat, mais je suis loin hein, du truc. Et il y a un poteau entre toi. Bassara. Et bah, vu que ce connard a réussi, ça décide pas bouger, je vais sauter sur lui pour prendre l'explosion à sa place. Alors, vous prenez tous l'explosion dans un flash de lumière. Duncan et la. Duncan, alors tout le côté, Nepenthes, Duncan et Ewin, la mère de Ragna, sont projetés en fait. Vers le mur à l'opposé. Ragna, donc Chloé, tu prends le souffle de l'explosion, mais tu, en étant jeté par tes potes, en fait, tu n'es touché que par le rebond de la déflagration, donc il va te rester un PV. Sachez que tous, il va vous rester qu'un PV à la fin. Déjà. Si ça ne dérange pas, on les remettra quand ça sera plus rouge, parce que là je vois rien. Oui, oui, non, mais c'est fait exprès, c'est juste pour décrire l'animation, après je remettrai une lumière normale. Ragna, tu sens le souffle te lacérer le dos, même si tu es une âme, tu sens que ça te. Ça arrive à te pénétrer, à vraiment te faire mal. Tu vois, tu sens que c'est vraiment de la pure noirceur. Arkhésis, tu sens que même à travers ça te touche, que. Mais malgré le fait que ça te touche, que tu sens que ta peau brûle, que ça commence à atteindre tes os. Tu souris. En fait, tout va bien. Tu vois bien. Tout va bien, tu ne sens pas la douleur. Sancho et Félix, vous êtes projetés vers l'autre, bah, en fait, à l'opposé de votre direction. Là, le cul et la tête par terre. Il y a un point de vie aussi. Je remets une couleur
normale. On va vous mettre, on va mettre celle-là parce qu'au moins comme ça, il y aura de la lumière. Un peu trop de lumière. Mais moi, ça me fait mal aux yeux. Et là, donc en fait, tout le monde est à 1 PV, c'est ça ? C'est ça. Tout le monde est à 1 PV. Et là, en fait, Ragna, tu es le premier à. En fait, ta rage t'a permis d'éviter de sombrer malgré la douleur. Tu le vois, en fait, au niveau du trône, prêt à aller se jeter sur ta, à aller se jeter sur ta mère. Tu peux. Tu as une action, en fait, là, pour essayer d'attirer son attention. Et bah, vu que j'avais Gemflight activé depuis tout, je vais juste Gemflight et aller en full speed et lui faire un spear. Je vais lui faire un tacle. Enfin, pas un spear du coup, oui, juste un tacle de rubis. Bah, donc, il te voit pas arriver, vous vous plaquez tous les deux au sol, tu sens que même lui, il est. Même lui, il est dans le. Vraiment à deux doigts, son intégrité physique est vraiment à deux doigts de disparaître. Tu sens que tu l'as plaqué, mais que vous volez en fait tous les deux, parce que mine de rien, il peut sortir des ailes aussi, vu que il a ton corps de dragon. Eh, hey, il l'avait pas activé en avance, lui. Non. Il triche, mais... il triche, madame Lulu. Oui, mais c'est un boss, il a le droit de tricher. Et en fait, vous vous retrouvez face à face, l'un envers l'autre. Lui du côté de ta famille, non, on va mettre l'inverse. Lui de ce côté-là, toi du côté de ta famille. Il a reculé et te connaissant toi, enfin toi qui connais justement les Drakkarides vu que t'en es un, tu sais ce qui va se passer. Tu le vois en train d'inspirer tout l'air qu'il peut. Que fait Est-ce que tu fais la même chose? Eh ben, let's go. Quitte à être dans les pics, on va faire les pics. Je vais aussi faire mon Breath Weapon, on va voir quel des deux souffle le meilleur, connard. Bon, normalement, tous ceux qui connaissent Dragon Ball reconnaîtront normalement la... La scène la plus triste du manga. C'est pas celle-là. Pour moi, en tout cas, c'est pas celle-là. Non, c'est la meilleure. Meilleure scène du manga. Là, vous voyez les deux dragons en train d'inspirer en même temps. Et expirer justement leur flamme. Alors d'un côté vous avez les flammes déshydratantes de Topaz de Ragnar, de l'autre vous avez des flammes plus noires que la nuit, transformant tout ce qu'elle touche en bouillie plus ou moins liquide, que même, qu'on ne pourra même pas manger avec des baguettes. Ah, normalement, petite référence pour voilà. Mais ce que vous remarquez, c'est que Ragna commence à faiblir. Le seul qui peut réagir là, c'est Sancho. Ah putain, c'est beau. Mais qui reste avec son cocktail, c'est beau. Que fais-tu, okay, Sancho? T'as une action. Ah bah alors, mon action, elle va être belle, elle va être magnifique. Je vais tendre ma main. Et je vais utiliser mes éclairs. Unlimited power. Vous voyez deux souffles enflammés en train de bouger l'un vers l'autre, hein, qui se rapprochent de plus en plus vers Ragnar. Tu touches. Je le dis, tu touches. Il a plus d'armure là, il est à poil. Voilà, donc bah, du coup il prend deux de 6 d'éclairs dans la bouche. Tu vois que tu n'as plus vraiment la force d'envoyer toute la patate que t'aimerais envoyer, mais... Ah, c'est mon armure, hein. C'est mon armure d'Iron Man qui tire. Oui, enfin, ton armure d'Iron Man, là, va falloir peut-être la réparer un peu. Tu vois, en fait, ton éclair ne pas être assez puissant pour lui faire des dommages. Par contre, être juste assez puissant pour que pendant une demi-seconde, il perde son attention et... Nepenthes, Félil et Mercutio, en fait, avant de littéralement ne plus avoir de jus, hein, donc tomber, vous voyez en fait derrière Ragna une âme comme la vôtre, mais celle que vous voyez, elle lui ressemble étrangement. Ragna, tu sens une main posée sur ton épaule et qui te dit vas-y.
lâche tout ce que t'as. Tu reconnais la voix de ton père qui est en train d'essayer de te guider, de t'aider à gagner. Allez, sors-moi une phrase épique, hein, un truc. T'es gentil, t'es bon débrouillé. Et nous, on peut rien faire. C'est la cinématique de fin. Ouais, enfin, on a encore des cas, des possibilités d'envoyer de la sauce pour l'aider. Normalement, là, il a fini. Il faut qu'il me sorte sa phrase. Vous pouvez tout faire. Ouais, mais bah, t'es gentil, tu me prends comme ça, toi. Je sais pas quoi dire. Tu peux le dire avec ton cœur et pas avec des mots. Pourquoi tu dis pas juste nique le plan? Ça va, il est pas non, parce qu'en fait, il y a rien et à l'âme de ton père pour le dessouder. Sac à main! T'as peut-être mon corps, mais c'est mon âme qui est la plus forte! Et là, vous voyez donc en fait. L'élève des bravures en sac à main. Donc en fait, là, vous voyez les flammes de Ragna en fait partir d'un seul coup vers Mephisto et entendre crier non! Un rire de. Je peux pas crier très fort, j'ai mes voisins qui dorment. Et. Le corps de Ragna, en fait, littéralement avoir des stries violettes qui sortent de son corps et partir en fumée. Tout ce qu'il reste, en fait, par terre, c'est l'ancienne épée de Ragna. Ah, il peut même pas récupérer son corps pour le faire comme un manteau au-dessus de l'armure, quoi. C'est con. Il peut même pas me faire des bottes en cuir de croco. Donc au tout pire, ce qui reste maintenant ici, là, à la place du corps, c'est l'ancienne épée de Ragna qui reprend en fait. Donc vous essayez tous de vous relever difficilement. Vous avez survécu à un combat. Alors, je lance. Qui est mort? Toi, Nepenthes. Oui. Du fait que t'es un peu le plus religieux, parce que je compte pas Sancho, qui est littéralement plus un chasseur de primes qu'un prêtre. Hein, des fois, on se demande s'il a fait ses classes. Tu peux me faire un jet de religion, s'il te plaît, avec avantage. Je m'en fous. Oui, bien sûr. Je suis juste un prêtre de la guerre. Je mets des gifles et après, je bénis les gens. Ouais, enfin moi. Gifles. Pour moi, t'es un chasseur de drôles surtout, mais. Et relance-le parce que tu as avantage, Nepenthes. Moi, Sancho, à chaque fois qu'il parle de ça, j'ai vraiment les inconnus avec Jésus de le retour. Je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer des pains aussi rapide au marché. Alors, malgré ta douleur, malgré le combat qui a été épuisant, tu te rends compte que Mephisto, c'est généralement le nom qu'utilise Mephistophélès, donc le gardien du deuxième cercle de l'Avernus. Quand il s'incarne, quand il arrive à s'incarner sur une planète, sur le plan des humains. Donc là, vous comprenez, en fait, toi-même, tu comprends que vous n'êtes pas d'affronter n'importe qui. Vous venez d'affronter justement le gardien, enfin le seigneur. Voilà, le seigneur du deuxième cercle, c'est-à-dire l'avant-dernier cercle le plus profond. Oui, je suis à jour sur l'enfer de Dante, je te rassure. Et donc, ce que vous voyez, c'est l'ancienne épée de Ragna au sol, ceux qui sont dans la direction de Ragna et même Arkhésis, alors Chloé, elle est un peu loin, qui n'a plus cette dimension de pureté, mais qui est juste en fait un couperet de bourreau, littéralement, rouillé duquel soigne de l'acide. Ouais. On peut la détruire. Alors on peut tenter un bannissement, hein, parce qu'elle n'a pas l'air d'être de ce monde-là. Hein. Elle est où la patronne? Elle est où la patronne? Elle est à côté de Nepenthes. Pardon? Elle est à côté de Nepenthes. Oui. Mais par contre, je lance un petit soin de groupe pour nous tous, quoi. Je peux poser une question en présence. Comptez-vous? Oui, posez une question. Ma sœur est toujours là? Non, elle a disparu. Ok. Et elle t'a pas posé la main sur l'épaule. Donc j'envoie un soin, mon deuxième sort de niveau 5, un petit soin de groupe sur tout le monde. J'aide Sarah à se relever parce que bon, je suis comme un gentleman. Si.
Et je vais voir la patronne. Et la Sanarkésis. Allez, vous récupérez tous 15. 15. Un gentil. Bah, du coup, on est tous à 16, c'est ça? Et oui. C'est ça. Je suis à un peu plus d'un dixième de ma vie. Et donc, vous voulez détruire le. Donc, vous vouliez détruire l'épée? Bah, ça, le bannir. D'abord, voir avec la mieux, patronne quoi. Ce que ça ferait. Ah, je te vois si les deux sont vivants. Alors, les deux respirent très difficilement. Tu vois que ta mère est pleine de coupures. Alors, Duncan, tu vois que ses plaies se referment. Par contre, tu vois que ta mère, elle a des plaies du même style que ce qu'avait Arkésis. C'est-à-dire des plaies qui ne peuvent pas se refermer. Et elle te regarde, elle fait 10. J'ai jamais détesté. Je ne pouvais pas te montrer l'amour que j'avais pour toi au moment où j'ai touché cette épée, le jour de ta naissance. Je ne voulais pas qu'il prenne possession de toi et il me reste une dernière chose à faire. Passe-moi le marteau. Elle va fracasser la tête de son fils. Ah bah, je dans le marteau. Ouais. Alors, tu vois que... Donc, tu vois, quand elle touche le marteau, en fait, la configuration du marteau que t'as toi change. En fait, tu vois que le marteau a vraiment... Au lieu d'avoir, en fait, ta tête de dragon, il a... Il ressemble beaucoup plus à un marteau normal, mais tu sens que ça cache quelque chose. Elle fait... Elle te dit, je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Mais maintenant, je m'en vais rejoindre ton père. Elle avance d'un pas déterminé, malgré le fait qu'elle pisse le sang de partout. Hein. Et quand elle arrive, en fait, près de l'épée, elle fait « Saloperie démoniaque, je serai le dernier de cette lignée draconique que tu prendras. » Et tu la vois, en fait, faire tournoyer le marteau autour d'elle, avec des larmes, hein, tu vois à cette distance qu'elle a des larmes, parce que elle abat le marteau, et en fait, au moment où elle abat le marteau, vous voyez des flammes sortir du marteau, englober l'épée et elle, et ces derniers mots sont « Veille sur Duncan, et qu'il devienne le nouveau empereur de cette cité. » Et fils, je suis fier de toi. Et tu la vois en fait se faire brûler par les flammes en emportant l'épée avec elle. Et tout ce qui reste en fait de... Après une minute en fait de brasier infernal au point où vous ne pouvez pas vous en approcher tellement le brasier est puissant, tout ce qui reste en fait d'elle, c'est un collier. Et il reste le marteau. Et il n'y a plus d'épée. Je m'approche, je fais... Je ramasse le marteau et je vais dire... Merci, Matt. Mère. Merci, Matt. Et ce que tu vois, Ragna, c'est qu'une boule de lumière rentre dans ton armure. Est-ce que tu prends le collier? Non, je les ai ensemble comme ça, bien sûr. Attendez, j'ai un appel. Ah, du coup, j'en profite. Lâche votre polon. J'en profite hein, pour parler à Chloé. Ouais. Chloé te voit arriver et te dit « T'es trop con, putain !» Parce que... J'imagine trop Chloé qui se retourne et a la forme d'un bot arqué. Non, mais entre le moment où elle a perdu connaissance et le moment où elle a repris connaissance, il y a Arkésis qui était vers elle et en train de pisser le sang. Je voulais pas que tu meurs avant de dire désolé. Et quand tu ramasses le collier, Ragna, ce que tu vois, c'est qu'il y a un petit bouton sur ce collier.
Et quand tu appuies dessus, ce que tu vois à l'intérieur, en fait, c'est une peinture, une photo slash peinture, de toi, elle et ton père. Quand t'étais bébé. Tu m'as littéralement coupé. Oui. Elle a vraiment bien fait. Je mets ma main sur son épaule en mode tu la bois. Hein? Je bois rien. Et toi, je t'ai pas entendu sans le show, t'es con. Non, je mets ma main sur ton épaule sans rien dire en mode tu vas pas bien, je suis là. Ouais. Mais je dis rien. Juste mets ma main sur ton épaule gauche. Et Félix, ce que tu vois, c'est que Arkhésis, malgré son sourire devant toi, en train de te parler. Non, je suis en train de parler à Chloé, mais... Chloé, pardon, excuse-moi, j'inverse toujours les deux. Mais du coup, je peux finir de lui dire ce que j'avais à dire. Mm-hmm. Donc, je suis désolé pour mon attitude depuis tout ce temps. Je voulais juste que tu saches que t'es la meilleure deck d'homme. Au moment où tu finis je fais un câlin au genou d'Arkhésis. C'est qui sont à mon niveau. Vas-y. Au moment en fait où tu lui fais le câlin, tu sens que qu'Arkhésis tombe sur toi. Tout souffle de vie l'ayant quitté. Non. Je. Il se trouve que j'ai dans mes emplacements de sort de niveau 3, sort de nécromancie. Je vais revivre quelque chose qui est mort il y a moins d'une minute. Tu vas me refaire en zombie. Non, c'est même pas en zombie, c'est genre tu reviens. Jette ton sort. Je jette mon sort, il revient à point de vie. Et le fait que je me sois interposé entre l'explosion et Arkhé, ça a compté pour des pommes. En fait, quand tu jettes ton sort, tu te rends compte d'une chose. Ça va faire près de 10 jours qu'Arkhésis est déjà mort. Pardon ? Je réessaye. Arkhé, toi, ce que tu vois, c'est que tu vois en fait, tu te vois à l'extérieur de ton corps. Ouais. Et tu vois en fait devant toi une très grande dame habillée en fait dans une tenue d'apparat, avec un masque de corbeau en fait sur le visage et qui te dit Arkhésis, tu as bien combattu, malgré ta mort. Les mains de ce démon, tu as tout fait pour te racheter, pour protéger tes amis, et là-dessus je peux te proposer un choix. Tu peux rester avec eux, mais en devenant mon chasseur, mon buveur d'âme, l'équivalent de mon champion qui était anciennement Vax. Je te laisserai avec eux le temps que vous régliez le temps que vous régliez les crises en cours, car il y a une crise importante qui est sous-jacente à ce qui vous arrive. Mais une fois que ces crises seront terminées, tu devras me rejoindre et abandonner tes amis. Ou je peux te donner comme autre choix, et là tu vois en fait, elle lève le bras et tu vois ta sœur en fait qui apparaît en fait à côté d'elle, puisqu'en fait elle sort de derrière elle était cachée. Je peux te laisser la rejoindre si tu veux. Assez souffert comme ça. Je peux te laisser la rejoindre et vous serez heureux dans l'autre monde. Alors, j'avoue que rejoindre ma sœur est plus que tentant et c'est ce que j'aurais. J'aurais tout donné avant pour la revoir rien qu'une seconde.
Mais ces derniers jours et l'introspection que j'ai eue dans mon esprit m'a fait comprendre quelque chose, c'est que j'ai toujours vécu ces dernières années pour elle, pour faire comme si elle était encore en vie, et je pense que cette fois-ci, il faut que je continue, mais pour Arkhésis, j'accède à être autre champion. Très bien. Dans ce cas-là, attends, faut juste que j'arrive à choper l'image. C'est des web apps que j'ai, ça c'est relou. Attendez, si j'y arrive. C'est autre chose que des web.p là, c'est le truc dégueulasse. On regarde le lien. Putain, je les ai que comme ça. On va essayer. Je vais voir si ça marche. Moi juste une seconde pour vous. Alors attends, comment on fait déjà? Non, c'est pas ça. C'est ça. Tac. Bon, qui pleure, lève la main. Moi, je lève la main. Le jour où tu me verras pleurer, tu m'appelles. Comme dit avant, j'ai maté un film avant, donc c'est bon. Je vais vous mettre une image dans le canal Discord. Il faudra juste que j'arrive avec Arke à la... vous la donner, parce que là, à la mettre sur le jeu. C'est... est-ce que je peux, puisque c'est des liens en fait, c'est pas l'image en soi. Tac. Bah attends, la fichette que tu m'avais donnée, tu peux pas juste remplacer l'image? Non, parce qu'en fait, c'est pas une image qui m'a envoyé, c'est une image web en fait. Pas une PNG, si tu veux. Oh, tu fais une vieille capture d'écran, ça même. Ouais, je vais faire une capture d'écran, attends. Parce qu'au moins pour là, il faut finir de clore ça sur un truc dramatique. Donc, hop, avant que j'aille me coucher. Ouvrir le lien, hop. Capture d'écran. Hop. Et donc, vous voyez en fait, près de Chloé, pour ceux qui sont assez loin, Chloé, en fait, toi, tu vois le corps d'Arkhésis s'envoler et se cambrer en fait, les bras vers le sol, les pieds vers le sol, et vous voyez en fait un flash bleu le toucher, et Arkhésis qui revient sur ses pieds droit hier. Oh merde, j'ai l'image du Pokémon qui évolue. Voilà à quoi il ressemble maintenant. What the fuck. D'accord. Alors, sachant que... Il a récupéré la gueule, non? Oui, il a tout récupéré. Moi, je retiens une chose. C'était ton move. Alors, sachant qu'il faut comprendre que, en fait, le bas du visage est caché, et que il n'y a que Chloé qui peut le voir d'assez près, mais il lui manque la moitié de la mâchoire inférieure. Pratique pour parler, ça, tiens. Il peut parler. Il parle d'une voix sépulcrale, mais il peut parler. Et sur ce, nous avons clos l'arc de Ragna. Alors, j'ai arraché combien de larmes? On peut compter en litres. Tout va bien. Bien aussi. Bah, moi, c'est très bien, je suis un Kaïd. Voilà, ouais, mais t'as pleuré dans ton fort intérieur, je sais. Non. La musique de Vegeta, je suis désolé, hein, je l'ai vu, j'avais 10 ans. Là, j'ai eu la larme à l'œil. Alors, sur ce, bah, on va clore le live. Il rêve des BZ perso, on fait les feux inverses.
On va clore le live ici. Petite précision, il n'y aura sûrement pas de live pendant un petit mois parce qu'il va falloir que je passe toute la suite du scénario sur Foundry. Voilà, donc je me trouve un petit logiciel pour faire la suite des maps parce que là, c'est plus possible. En fait, je ne sais pas si vous l'avez entendu pendant le jeu ou pendant le live, mais moi, en tout cas, je l'ai entendu. Tu as des musiques qui bouclent, qui bug en fait. Ça, j'en peux plus. Les bugs sur le mode, j'en peux plus non plus. Voilà. Donc concrètement, je vais tout transférer. Je vais tout transférer sur Foundry. À partir de maintenant, je vais prendre du temps pour vraiment transférer ça sur Foundry, donc un mois et demi, de façon à ce que on ait un jeu fluide pour tout le monde. J'espère en tout cas que cet épisode a plu à tout le monde. Voilà. Que oui, il y a eu beaucoup de scénariums et juste pour vous dire quel type de paladin c'était, c'était un paladin de la trahison. Et Ragna, pourquoi en fait il n'avait pas le mal... Enfin, techniquement, il avait ton malus de barbare des anciens, mais en fait, le paladin de la trahison a une règle particulière que dès qu'il tape quelqu'un qui a un allié à 1,5 m de lui, il a avantage. D'accord. Ah oui, donc ça annulait juste... C'est ça. Oui, bon, écoute, c'est pas du mal. Et encore, il y a des trucs que j'ai pas utilisé. Sa règle qui a fait 32 points de dommage tout le temps, c'est la frappe empoisonnée. En fait, il utilise son conduit divin pour rendre son arme encore plus mortelle pendant une minute. Il jette 2d10 plus son niveau de paladin, ou s'il a avantage, ce qu'il avait quasi tout le temps contre vous, même s'il avait ton désavantage de l'autre côté, techniquement, il faisait une attaque avec avantage, il faisait 20 plus son niveau de paladin. Et c'est un paladin de level 12. D'accord. Et qui, oui, a littéralement le sort invisibilité. Mmh. Voilà. Il avait même invisibilité supérieure, si tu veux tout savoir. Donc, sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à dans un mois et demi à peu près pour la... la suite... De l'épopée. Je pense que le prochain sera Arkhésis parce que Sancho, je crois qu'il va attaquer la grosse saison maintenant. Donc le prochain sera Arkhésis. On va faire pleurer dans les chaumières encore. Et on vous fait à tous des gros bisous. Gros bisous à tous. Merci d'avoir suivi le live. Au revoir. Au revoir YouTube.